Ladies and gentlemen, distinguished guests, a warm welcome. My name is Shaheen. I'm the chair of the board of ICFA. On behalf of the ICFA board, it is my pleasure to welcome you to the ICFA 2023 annual conference. Today's conference is themed The Right Time and the Right Place, Improving Access to Humanitarian Quality Funding. It is an honor for me to be here today with all of you, members, partners, colleagues, and friends. Thank you so much for joining us. The topic of this conference is not an easy one, but it is essential. The situation is challenging and the theme is complex, but it shows that ICFA does not shy away from addressing important and relevant topics. We have substantial expectations for today's conference. First, améliorer la conscience et avoir une meilleure compréhension des défis clés dans le contexte de financement humanitaire. Néanmoins, nous ne voulons pas nous focaliser simplement sur les défis, nous voulons explorer les opportunités et les solutions et voir comment ensemble nous pouvons avancer sur celles-ci. Nous avons la chance d'avoir un nombre de orateurs distingués qui vont nous guider dans la discussion d'aujourd'hui et je les remercie toutes et tous en avant pour leur disponibilité, en avance pour leur disponibilité. Nous allons donc écouter les différents panels et nous allons pouvoir nous concentrer sur les sujets différents. Tout d'abord, l'état du financement dans le contexte humanitaire. Deuxièmement, nous allons parler du grand compromis. Et troisièmement, nous allons concentrer sur le financement dans le contexte climatique et de l'action humanitaire. Alors, nous allons ensuite entendre Ignacio qui soulignera et fera un résumé de la journée. C'est une journée qui va être très occupée et nous devons bien sûr pouvoir nous exprimer librement, respecter les opinions des uns et des autres, surtout lorsque nous avons des avis différents, et travailler dans la confidentialité. S'il y a des problèmes pendant la conférence, s'il vous plaît, tournez-vous vers Alan. Alan est là. Elle est là, elle s'est levée. Alan s'est levé, il s'est levé et il est là pour répondre à vos questions ou vous aider. Alors, au niveau logistique, très brièvement, le café et le repas seront servis en haut, à l'étage. Et il n'y aura pas d'écart au niveau de l'ordre du jour. Nous allons devoir respecter les horaires. Je vais donner la parole à Stéphanie. Stéphanie va reprendre la main. Et je vous souhaite une excellente conférence à tous aujourd'hui. Merci, merci Shaheen. C'est vraiment incroyable d'être ici parmi vous aujourd'hui, en cette belle journée, dans cette salle, avec tous les amis d'ICVA et un panel incroyable. Nous sommes ravis donc d'être ici. Et c'est un honneur pour moi de lancer cette session avec donc cette discussion de panel de haut niveau qui va cadrer donc la conférence et établir une compréhension commune des défis de l'humanitaire. Notre objectif est de pouvoir lancer des conversations autour du déficit de financement international et bien sûr de réfléchir aux solutions et aux réponses sur le plan local. Pendant la session, nous vous encourageons à réfléchir à des solutions pour l'avenir, d'anticiper les tendances qui impactent l'espace humanitaire, telles que les crises climatiques, les réponses aux pandémies et l'augmentation des crises prolongées. Donc, c'est un honneur pour nous d'avoir des invités, des collègues d'ICVA et bien sûr son Excellence, l'ambassadeur Jürgen Lauber, représentant permanent de la Suisse auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, en Suisse, Monsieur Martin Griffith, sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence de OCHA, Madame Taïba Rahim, présidente de l'association Naïkala, membre d'ACBAR, Madame Sophia Sprechmann, secrétaire générale de CARE International et bien sûr notre directeur exécutif Ignacio Paquer. Toutes les biographies sont en ligne et nous vous encourageons à les lire. Et ce panel va partager donc ses idées et opinions sur le contexte humanitaire
aujourd'hui. Donc, nous allons commencer avec une question que nous allons adresser à chacun des panélistes et bien sûr, ils vont parler de leurs expériences et de leur point de vue sur le financement humanitaire. Et bien sûr, nous allons allouer un temps à une session questions-réponses ensuite. Et nous allons tenter de rendre ceci interactif. Alors, Excellence, puisque nous sommes en Suisse, c'est ici que nous organisons notre conférence annuelle avec les partenaires pour pouvoir collaborer, coordonner, échanger. Partagez, s'il vous plaît, vos pensées sur l'importance de la Suisse et sa contribution dans cet environnement et quels sont les financements concrets en matière d'aide humanitaire. Merci. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parmi vous, parmi des experts du domaine humanitaire. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, nous avons commandé le soleil aujourd'hui, nous avons négocié dur, alors s'il vous plaît, profitez-en. Merci pour votre question et je vais parler de trois points. Tout d'abord, je remercie ICVA pour tout son travail. Vous êtes un partenaire très important pour nous. Nous pensons que vous rassemblez la communauté, vous représentez la voix de la communauté parce que, bien sûr, nous ne pouvons pas échanger avec toutes les ONG du domaine. Et à travers ICVA, nous pouvons le faire à travers des événements comme aujourd'hui, par exemple. Et cela est essentiel pour nous. Et je comprends que nous nous sommes engagés pour 3 années de soutien supplémentaire, pas seulement 3 années bien sûr, mais en tout cas les 3 années à venir. Donc notre collaboration va continuer. Ensuite, deuxièmement, pourquoi les ONG sont essentielles en tant que partenaires dans notre engagement humanitaire, mais également ici en tant qu'État hôte, donc à Genève. Bien sûr, je ne vais pas expliquer l'importance des ONG aux personnes ici présentes, mais leur rôle est de plus en plus important au vu des circonstances et du contexte. Les leaders du domaine humanitaire, comme Martine, par exemple, parlent de la constance et du besoin de continuité dans le domaine. Donc, nous devons bien sûr agir intelligemment, surtout quant à l'utilisation des ressources. Et les ONG, selon nous, joue un rôle clé à 2 niveaux. Tout d'abord, par rapport à la mise en œuvre sur le terrain. Mes collègues experts humanitaires de Berne appuient donc cette mise en œuvre à travers des partenaires locaux. Je sais que, Martine, votre organisation fait la même chose. Et là, les ONG jouent un rôle essentiel puisque ce sont les ONG qui forment les réseaux locaux. C'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui êtes les partenaires de la mise en œuvre, ce qui est essentiel pour nous. Deuxièmement, votre présence à Genève est également importante pour nous, car la Genève internationale représente 2 choses. Tout d'abord, un pôle opérationnel, où les agences humanitaires principales sont présentes et distribuent les ressources aux personnes sur le terrain, mais c'est également le lieu de discussion des politiques, des décisions, et c'est ici que l'on réfléchit à tout cela, et vous devez participer à ces discussions. Les agences à Genève parlent entre elles, décident des réponses, des meilleures pratiques, de comment cadrer l'action humanitaire sur le terrain. Mais bien sûr, nous avons besoin de la représentation des ONG ici à Genève. Nous avons besoin de votre voix et que vous participiez à cette discussion. Ce n'est peut-être pas comme cela que vous percevez votre action parce que vous êtes sur le terrain, mais nous avons besoin des retours, de connaître votre expérience ici pour nous permettre de prendre des décisions. Les décisions ne sont pas prises par des personnes du domaine académique, mais nous avons besoin d'éléments concrets. Ainsi, nous souhaitons continuer de vous offrir les conditions de travail les meilleures pour, bien sûr, pouvoir mieux collaborer avec le canton qui vous soutient, qui vous aide à venir ici et travailler. Deuxièmement,
par rapport à la Suisse et à sa réponse au contexte que j'ai décrit et des besoins croissants et des ressources qui ne suivent pas nécessairement. Il s'agit bien sûr de financements prévisibles, intelligents et utiles. Et je vais revenir à mon texte parce que vous allez certainement vous rendre compte que je ne suis pas le meilleur expert dans le domaine. Mais par rapport à quelques exemples concernant nos approches pour nous assurer de fiabilité et de la souplesse des financements. Vous savez certainement que l'année dernière, la Suisse a utilisé de nouvelles modalités pour augmenter la réflexion autour de l'allocation des ressources, et ceci avec notre partenaire principal ICR, le CICR. Il y en a d'autres, bien sûr. Et nous avons donc permis à une allocation de ressources ex poste pour pouvoir rediriger nos contributions à des partenaires qui sont sous-financés et des pays dont, où les financements sont vraiment nécessaires, l'Éthiopie par exemple. Ensuite, en tant que coprésident du CBPF, nous collaborons avec d'autres donateurs pour mettre en œuvre des infrastructures de ressources qui soutiennent la participation en personne d'acteurs locaux aux discussions gouvernementales et pour les aider à accéder aux financements qui leur sont alloués. Troisièmement, nous avons également signé le grand compromis et nous avons bien sûr soutenu le caucus autour avec les intermédiaires qui en retour se sont engagés à améliorer la qualité et la quantité de financement auprès des acteurs locaux. Donc c'est une manière en fait de sécuriser les financements. C'est une façon de couvrir les coûts de départ avant que l'argent arrive concrètement. Également, la transparence reste essentielle au niveau des contributions et des flux de financement. Et troisièmement, nous faisons partie également des donateurs du domaine humanitaire. Et nous respectons bien sûr les principes qui ont été établis il y a 20 ans et qui existent encore dans le contexte. Par exemple, le 11e, qui concerne faire en sorte que les financements n'impactent pas négativement ce qui se passe sur le terrain et répond aux besoins des crises prolongées sur le terrain. Donc, comme vous le savez, il faut faire très attention lorsque l'on donne des financements, de s'assurer de leur usage et de leur bon usage, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Ikva, pour l'invitation. Merci pour votre excellent travail. Merci pour tout le travail qui est fait à Genève et également sur le terrain. Nous ne pourrions pas mettre en œuvre ces actions humanitaires sans votre existence, sans votre présence. Et nombre d'entre vous, bien sûr, travaillent dans des circonstances délétères et difficiles. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir exprimé votre engagement à la communauté des ONG, au financement de qualité et bien sûr de l'importance des ONG sur le plan politique. Je crois que ce sont des points essentiels, effectivement. Et pour revenir à la situation de financement, je voudrais savoir, s'il vous plaît, monsieur Griffith, comment vous percevez donc les besoins sur le plan mondial et quelles sont les solutions pour l'écart de déficit humanitaire qui existe aujourd'hui?
Je vais commencer avec quelques commentaires sur ICVA. Moi, j'ai été donc le directeur exécutif d'une ONG ActionAid il y a très longtemps, dans les années 90, et je n'étais jamais venu à Genève. Nous étions membres d'ICVA et ma visite, ma première visite à Genève, était pour ICVA et je me souviens que je suis allée dans le bureau à l'époque. Et ce que vous avez fait à ICVA pour moi, et que vous m'avez déjà soutenu au niveau de l'hébergement, donc je vous remercie. Et ensuite, je crois que vous m'avez accompagné à une réunion internationale au Palais des Nations. Vous vous êtes occupé de moi, vous avez pu faire en sorte que je puisse rentrer. Et j'ai pu visiter donc ce lieu pour la première fois. Et je vous ai été très reconnaissant. Et je savais que je n'allais jamais revenir à Genève de toute ma vie. Et voilà, me voilà. On ne peut pas rester loin de Genève. Ça doit être la météo. Donc, merci. Merci, parce que c'est ce que vous faites. Au quotidien. Alors, par rapport à l'ECR, Emergency Relief Coordinator. Donc, tout d'abord, il y a beaucoup de gens ici qui savent, qui êtes beaucoup plus informés que moi. Mais bien sûr, au niveau de l'échec de la communauté humanitaire, c'est de créer, d'être orienté, d'être dominé par l'engagement des personnes dans les communautés que nous servons. Et nous parlons de responsabilité auprès des personnes impactées. La réalité est que, bien sûr, il y a beaucoup de diversité par rapport à comment ceci fonctionne dans le monde. Mais ceci est essentiel. Et hier, je parlais à un collègue à Goma, en RDC, et je lui ai demandé comment est-ce qu'elle faisait toute cette magie, c'est-à-dire de s'assurer de la patience, du temps, de l'écoute pour créer une relation dans une journée très occupée. Et elle m'a dit, ben, vous m'appelez, vous êtes quelqu'un de très occupé, eh bien, il n'est pas difficile de créer du temps lorsqu'on pense que c'est important. Et bien sûr, nous devons nous assurer que le message d'ICVA, puisque l'ICVA réussit à créer cette relation, et bien sûr, nous devons également faire de cette relation l'aspect essentiel de la proposition. Donc, bien sûr, il faut agir sur le plan local, il faut s'assurer que l'argent aille au bon endroit, au bon moment, mais il s'agit également d'intégrer différentes compétences dans notre leadership, donc savoir s'arrêter, savoir écouter, savoir respecter. Voilà les éléments principaux. Et pour OCHA, que j'ai rejoint récemment, voilà notre priorité. Pour mettre ceci en œuvre, nous devons bien sûr alléger la charge de la programmation. J'ai quitté le monde humanitaire pendant 20 ans et je suis revenue et je vois que maintenant les programmes sont immenses. C'est un système qui est très détaillé, où la responsabilité est mise en avant, mais le temps que l'on passe à tout ceci n'est pas proportionnel à la valeur de ce qu'on doit délivrer. Et le temps d'écoute est beaucoup plus pertinent que le temps passé à créer et à mettre en place cette programmation. Et par rapport à la question, si je peux faire un pont, bien sûr, c'est que les priorités dont on parle, dont on discute, dont on décide, suite à nos conversations avec les personnes impactées, bien sûr, nous mènent à dépenser l'argent de façon beaucoup plus efficace. Et ce sont des efforts qui nous font réfléchir à utiliser l'argent
de façon plus efficace et qui nous mène plus loin. Deuxièmement, le représentant de Intersource, lorsque vous avez organisé une réunion à Monsieur Ignacio concernant l'Afghanistan, ce monsieur m'a dit, est-ce que vous réalisez qu'il n'y a pas d'endroit où les acteurs du domaine humanitaire et de l'environnement ne se réunissent. Il n'y a pas de forum, il n'y a pas d'endroit où l'on passe du temps ensemble. Et donc, nous ne travaillons pas ensemble. Et cela est un écart étonnant. Et cela m'amène à mon deuxième point, que nous avons de vider ces silos. Le lien n'est pas une question de politique, c'est une question de relation. Le nexus traite de la nécessité d'écouter et du fait que les personnes ne distinguent pas sur le terrain la différence entre l'humanitaire, le développement et autres processus. Et donc d'unir des processus qui nous réuniraient de manière consistante, d'abord sur le terrain et puis de retour dans nos organisations, et la corrélation avec cela est le fait que nous ayons besoin de soutenir le financement du développement. Et beaucoup de personnes ici ont eu des discussions avec des bailleurs de fonds et ceux-ci vous disent « les temps sont difficiles, il y a peu d'argent, mais ne vous inquiétez pas, bien entendu, nous allons protéger notre budget humanitaire. Désolé pour le développement, nous n'avons plus d'argent pour cela. » Mais ceci n'est pas un bon message parce que beaucoup d'entre vous faites ce double travail, développement et humanitaire. Et les acteurs au développement sont parfois beaucoup plus efficaces que nous à savoir ce qui est nécessaire. Les services les plus basiques en Afghanistan, qui a été un sujet essentiel des dernières années, il est nécessaire de défendre et protéger les personnes qui ne sont pas dans notre catégorie professionnelle et d'être ensemble, d'apprendre ensemble, de savoir quoi faire ensemble, me semble un aspect essentiel. Et enfin, j'aimerais dire quelques mots sur le climat. Le lien ici est l'argent autour du climat, mais ce n'est pas le sujet sur lequel je souhaite me focaliser. Bien sûr, l'adaptation au climat, nos pertes et dommages est une partie essentielle, mais je parlais à un collègue avant-hier et la situation en Somalie est absolument terrifiante en amont de la saison des pluies. Et CIP5 ne va pas réussir, risque de d'échouer. Et cette personne disait que les programmes d'assistance financière en Somalie s'arrêtent fin mars et que les fonds pour l'assistance, eux, arriveront fin avril. Et je suis certain qu'il y a plus de détails à ce sujet. Mais actuellement, d'avoir le soutien des bailleurs de fonds pour ceux que nous savons qui va être un moment cataclysmique dans l'Afrique, dans la région et pour nos communautés, eh bien, nous faisons ceci les mains vides. Et il a continué en me disant qu'en Éthiopie, où il y a bien entendu la sécheresse et un potentiel de famine, eh bien, les Éthiopiens, le gouvernement éthiopien a réussi d'avoir environ 200 millions de dollars de fonds pour le changement climatique. La Somalie n'a pas pu le faire. Et puis, pourquoi? Parce que le gouvernement somalien n'a pas les mêmes compétences et ressources que le gouvernement éthiopien. Mais ce n'est pas ainsi que le monde doit décider comment cet argent doit être dépensé. Et donc, le climat, pour nous, étant une immense menace, une menace injuste et effrayante pour les personnes avec lesquelles nous travaillons, mais également, il s'agit qu'il doit être compris afin que l'argent puisse être mis à disposition et pas maintenu sous forme de promesses. Et également, je vais conclure, si vous le permettez, avec ce prochain point. Eh bien, je crois que le climat sera notre pire compagnon. C'est pour ces prochaines années, bien pire que les conflits de la même manière. Il va empirer les conflits dans de nombreux endroits. Ce que cela veut dire, c'est qu'il y a des programmes, des problèmes financiers, mais également des problèmes en matière de programmation.
Et la question des ressources a déjà été mentionnée et beaucoup d'autres choses doivent être faites. Nous avons besoin d'avoir un changement dans la manière dont nous réagissons et agissons. Et enfin, nous avons besoin de la passion de la communauté qui travaille autour du climat. Quand nous travaillons, la communauté humanitaire est une communauté d'activistes passionnés. Il n'y avait pas de compétiteurs pour l'activisme, la passion, la dramaturgie, l'énergie de notre communauté. Mais ces dernières 10 années, il y a eu une immense professionnalisation de notre secteur, ce qui en soi est positif, mais je crains que la passion se soit en partie perdue, pas au sein de ICVA, mais dans d'autres parties de notre communauté. Et le climat, les jeunes, l'activisme de cette communauté devrait être une inspiration pour chacune d'entre nous. Et nous avons besoin de reconstruire l'énergie de travail humanitaire si nous voulons être à la hauteur de nos responsabilités. Nous sommes donc à un moment clé avec le climat qui, pousse la porte, l'argent qui, lui, plutôt recule. Et nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire ce travail. Et j'en parlais à Sophie, je sais que c'est vrai, avec Sophia, pardon, alors que nous en parlions. Nous partageons des valeurs communes, il n'y a pas de question à ce sujet. Nous avons besoin de revisiter ces valeurs communes et nous avons le besoin de les mettre devant nous et non plus derrière. Je pense qu'il a été extrêmement important de voir comment vous avez expliqué tout ceci quand vous avez parlé que l'argent pourrait être bien mieux dépensé. Vous m'avez rappelé un de nos messages de plaidoyer avec moins de papier, plus d'action, et je crois que c'est quelque chose de très pertinent. Et ensuite, nous avons parlé de rompre les silos, d'ouvrir le dialogue avec d'autres acteurs, avec des acteurs du développement, des acteurs qui travaillent à la construction de la paix. Et nous avons également mentionné le climat et le plus d'amener la passion du climat, et c'est quelque chose que des fois nous oublions dans l'action humanitaire où nous le laissons à part, et il est important de réaffirmer l'importance d'intégrer le climat dans notre travail et afin d'avoir une meilleure préparation pour le futur. Et enfin, j'aimerais vous remercier d'avoir parlé du fait de mettre les humains au cœur de notre programme et l'importance des actions locales. Ceci dit, c'est un formidable honneur d'avoir parmi nous à notre PACA, un leader de la communauté ONG dans la communauté, Monsieur Taïba Rahim. Nous entendons constamment parler, pardon, Monsieur qui nous entend parler. Comment naviguer Madame Taïba Rahim, comment naviguer les défis qui existent actuellement en Afghanistan? Excellente, mesdames et messieurs, c'est un vrai honneur pour moi d'être ici parmi vous. Je viens de l'Afghanistan, je suis arrivée de l'Afghanistan pour participer à cette conférence et j'aimerais vous remercier, Monsieur Ignacio, Monsieur Mkel, de m'accueillir aujourd'hui, ici, aujourd'hui. Mon nom est Taïba Rahim, je suis la présidente et fondatrice de l'association Naïkala qui est impliquée en Afghanistan central, en Afghanistan rural. J'aimerais partager avec vous le fait que lorsque nous parlons d'Afghanistan, beaucoup d'entre vous ont des images en tête, et ces images ne sont pas des images très positives, ce sont des images fort dramatiques. Mais depuis 1979, l'Afghanistan était déjà un pays très pauvre, un pays sous-développé, qui ne connaissait que la guerre, et les besoins restent très importants. Aujourd'hui, environ 28 millions de personnes ont des besoins, et c'est, je crois, le plus grand taux de personnes ayant besoin de soutien humanitaire, et c'est dans l'Afghanistan. Aujourd'hui, les interdictions face aux droits des femmes sont une réalité à laquelle nous sommes confrontés. En tant que présidente de cette organisation, j'ai fait le choix de continuer notre travail dans une situation qui présente de grands défis. Et une des rares organisations menées par des femmes, nous continuons à donner de l'espoir. Pour moi, eh bien, je ne me perds pas, je n'ai pas le luxe de penser ou de douter ou d'attendre. Je ne peux que
continuer mon travail. Nous sommes impliqués dans une des zones les plus régions les plus pauvres, isolées et vulnérables du centre de l'Afghanistan, isolées au sein des montagnes. Et c'était déjà une situation extrêmement, une situation de pauvreté extrême bien avant la situation actuelle. Et la réalité est que cette région reste extrêmement isolée et vit une situation de précarité profonde. Et également les inégalités en matière de soutien entre l'humanitaire et le développement, entre les déséquilibres entre l'urbain et les zones rurales. Et toutes ces nos terres sont très peu fertiles et ceci, maintenant la sécheresse, tout ceci rend la vie encore plus difficile et ceci est particulièrement difficile et voici les personnes qui sont confrontées à de grandes difficultés. Un des points très intéressants qui nous a toujours donné espoir est cette situation très difficile politiquement, géographiquement, historiquement qui a rendu notre peuple résilient et c'est quelque chose auquel ils tiennent. Et il est important de voir que l'éducation est la seule manière de s'extraire de la pauvreté profonde et d'avancer. Eh bien, cette région a un des plus hauts taux de personnes engagées, qui sont scolarisées, tant les garçons que les filles. Et nous savons que l'école est une des seules manières, l'éducation, de s'émanciper. Et aujourd'hui, cela fait presque 20 ans que nous accompagnons ces communautés. Cette communauté déterminée, courageuse, qui, malgré la pauvreté, dit que c'est la seule manière d'avancer par le biais de l'éducation. Et nous sommes extrêmement fiers d'accompagner ces personnes et de construire, d'avoir construit plus de 12 écoles dans la région et aujourd'hui nous gérons et nous mettons en application des centaines de programmes d'éducation communautaire pour ces personnes et nous leur donnons espoir et ça c'est quelque chose qui il y a également des centaines de professeurs maintenant à qui nous donnons de l'espoir, des salaires, un métier et c'est ce dont cette communauté a besoin et ceci est juste et important pour accompagner ces personnes et c'est pourquoi j'aimerais partager avec vous pour ces projet en dialogue avec les autorités actuelles. Tous les jours, je m'assure que tous les projets soient approuvés par les autorités et c'est la seule manière de pouvoir mettre en œuvre nos projets et de pouvoir donner de l'espoir. Et en tant qu'organisation menée par des femmes, eh bien, et ceci fait partie du changement au sein de nos sociétés. C'est mon rôle. Le moment est venu que pour que les hommes et femmes en Afghanistan se confrontent à leur réalité, aux défis de notre réalité et c'est ainsi ma manière d'être active et c'est d'activer le changement dans notre communauté. Mais en même temps, nous avons besoin du soutien de la communauté internationale. Nous avons besoin du soutien de bailleurs de fonds et j'ai deux désirs concrets que j'aimerais partager avec vous. L'un d'entre eux est que la communauté internationale et les bailleurs de fonds, si réellement la situation des femmes et des enfants vous tient, eh bien notre situation ne peut pas être plus dure que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, s'il vous plaît, mettez en place un dialogue avec les autorités, discutez avec eux, écoutez-les, influencez-les. Ce sera la seule manière d'avancer et de mener le changement en Afghanistan au nom de ces femmes dont nous parlons, ces femmes dont nous nous préoccupons. Et mon deuxième grand désir est que moi, je lutte, il y a parmi les autres grandes difficultés, il y a des nombres très limités d'organisations de femmes qui sont sous-financées et qui souffrent, et des fonds sur plusieurs années, des fonds prévisibles. Et imaginez, aujourd'hui, vous me demandez quel est mon défi. Eh bien, mon défi, ce sont le manque de fonds, et qui est pourtant prévisible. Nous ne manquons pas, nous savons que nous devons anticiper le manque d'argent. Nous devons comment gérer le dialogue avec les autorités locales. Comment gérer la pauvreté des communautés et le manque d'espoir? Eh bien, ce sont les fonds qui sont extrêmement importants. Et un autre élément que je voudrais apporter, eh bien, les exigences pour demander de l'argent sont extrêmement compliquées, beaucoup trop compliquées. Les modèles, les documents à remplir pour demander des fonds sont beaucoup trop compliqués. Elles sont dessinées pour les grandes organisations, pas pour les petites organisations. Moi, je suis un de ces exemples. Je peux vous le dire régulièrement, je suis rejetée
parce que je ne remplis pas les exigences des bailleurs de fonds. Et ça, c'est un immense défi. Et j'espère qu'il y aura d'autres opportunités si vous avez des questions. Mais j'aimerais conclure avec une histoire, une anecdote. L'histoire d'un professeur. En août 2001, quand la situation a changé, quand le gouvernement a changé, eh bien, les populations entières, 30 millions de personnes, ont paniqué en se demandant ce qui allait arriver de notre futur. Et une de nos professeurs, parmi les centaines de professeurs, a décidé de partir vers une destination inconnue. Et cette personne est partie, elle a conduit pendant 24 heures sans vraiment savoir où elle allait, et ceci porté par la peur et l'incertitude face à la situation. Et ensuite, elle a tellement pleuré que sa famille a décidé de revenir vers cette zone rurale. Et quand elle est revenue vers notre village, eh bien, la chose, c'est l'humanité extraordinaire qui nous a tous mis sous pression et qui nous rend responsables, qui nous permet de ressentir le fait que nous ne pouvons pas abandonner nos communautés. Les enfants étaient debout devant la classe et ont dit au professeur, « Professeur, pourquoi la classe est-elle fermée? Pourquoi êtes-vous en retard ?» Et en fait, elle était partie, elle nous avait quittés, elle avait conduit pendant 24 heures. Elle a pris sa clé, elle a ouvert et elle a dit « Plus jamais je ne partirai. » Imaginez cette merveilleuse professeure qui vit avec dignité, qui a répondu aux enfants avec dignité. Et j'ai demandé aux enfants, et si la communauté internationale qui a eu une forte présence depuis 20 ans en Afghanistan, si ceci avait investi dans plus de projets de développement, aujourd'hui les Afghans auraient moins de difficultés à gérer la situation actuelle. Nous ne pouvons pas, je voudrais le dire très très clair, le travail humanitaire doit être un travail d'urgence pendant quelques années et pas pendant deux décennies. L'Afghanistan est laissé dans une situation de besoin depuis des décennies et l'Afghanistan est laissé pour compte. Nous avons oublié les projets de développement. Cette professeure qui n'est payée que $50 et pourtant ce qui lui donne l'espoir, ce sont ses frères, ses sœurs, ses enfants et c'est elle qui gagne l'argent pour sa famille dans sa famille. Et donc restons, regardons l'espoir vivant pour les futures générations, pour les élèves, pour les enfants. Et nous parlons de localisation. Aidez-nous. Et j'espère qu'un jour, vous n'entendrez plus que des organisations comme les nôtres ne seront perdues de vue par manque de fonds. Merci beaucoup. Toujours une immense inspiration, source d'inspiration que d'écouter Taïba et de souligner la résilience de la communauté afghane, mais encore plus celle des femmes leaders au sein de la communauté et des organisations locales qui agissent, qui prennent des mesures drastiques pour pouvoir continuer maintenir la vie quotidienne pour s'assurer que les besoins primaires soient remplis. Merci d'avoir partagé ces éléments, cette magnifique anecdote. Vous avez mentionné les éléments que disait M. Martin, le fait d'écouter les discussions, de mettre les personnes au centre. Eh bien, je crois que ça, c'est quelque chose dont il est très, très important de continuer à parler. Et pour continuer à parler plus en détail de la question des financements en Afghanistan, eh bien, nous avons un projet de nécessité de prévoir les fonds sur de nombreuses années, d'anticiper les besoins et d'avoir des plans pluriannuels. Sophia, merci de nous parler un peu de votre point de vue pour améliorer les fonds pour les ONG et quelles sont les leçons apprises que vous pourriez partager avec nous de votre point de vue. Merci, merci infiniment. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez en étant ici, d'apprendre de vous et d'avoir ce dialogue important. Je suis vraiment ravie de faire partie de ceci. C'est un panel formidable. C'est un réel honneur d'être ici parmi vous. Merci pour l'invitation. J'aimerais partager quelques réflexions quant à la qualité du financement, puisque bien sûr, le volume des financements compte. C'est un aspect critique, mais nous dépendons de ceci pour pouvoir remplir notre mandat humanitaire, les ONG, qu'elles soient internationales ou locales. Mais la qualité du financement est encore plus
important. C'est quelque chose d'absolument essentiel parce que sans celui-ci, nous ne pourrons pas rejoindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et j'aimerais, bien entendu, comment pourrais-je ne pas le faire, partager depuis le point de vue de notre expérience ce à quoi ceci pourrait ressembler du point de vue de notre organisation du CARE. Et bien sûr, les bailleurs de fonds sont fondamentaux parce que plus nous avons des fonds de qualité de la part des donateurs, plus nous aurons des fonds de qualité à distribuer à nos partenaires, en théorie. Mais je répète, en théorie, parce que souvent, et ça c'est souvent vrai pour de nombreuses organisations, ONG internationales et agences, si je peux me tourner vers Martine pour avoir une confirmation de cela, très souvent nous mettons les règles, des règlements sur des règlements. Une ONG en Somalie nous a fait un retour et s'est référée à nous comme l'organisation qui s'occupe de nombreux documents. Et très souvent, nous faisons cela comme une excuse. Nous disons que nous devons gérer les risques, mais nous mettons ceci en plus de règlements par-dessus d'autres règlements. Et donc, j'ai besoin de faire un mea culpa à ce sujet, parce qu'à moins que nous admettions ici que nous faisons partie du problème, nous ne pourrons pas faire partie de la solution. Mais nous faisons partie de la solution. Nous continuerons à faire partie du problème si nous ne l'admettons pas. D'ailleurs, certaines d'entre vous ont peut-être vu le CARE de Thousand Papers, donc l'organisation qui prend soin de 1 000 documents, 1 000 papiers, et que certains d'entre vous ont vu des meilleures pratiques de notre part. Et c'est quelque chose dont je suis fière, mais s'il vous plaît, soyez patient avec nous. C'est un processus de transformation qui ne va pas se passer du jour au lendemain. Et nous apprenons avec toutes les ONG locales. Et que des aspects positifs, et par exemple la conscience que le secteur vit par la biais de la colonisation de notre secteur, le racisme de notre secteur, qui est quelque chose d'extrêmement important. Et je peux dire fièrement que depuis 2021, de 2021 à 2022, donc en une seule année, CARE a le volume de financement à plusieurs années, pluriannuel, et amélioré de 24% à 55% en une seule année. Et ceci ne peut avoir lieu sans ces données. Et ceci de 24% à 55%, ceci ne peut se passer. Et la pression a été essentielle. Ceci n'aurait pas pu se passer sans la pression que nous avons ressentie, comme de nombreux secteurs du monde. Et je dirais également que le Covid a également joué un rôle, parce que non seulement il y avait la responsabilité était ultérieurement partagée avec les partenaires locaux en raison des limitations auxquelles nous étions confrontés avec le Covid, mais également les autorités où la responsabilité a été partagée, mais les autorités également. Et ces deux facteurs combinés, je crois qu'il n'y a pas. Nous avons rejoint un point de non-retour et je ne sais pas si nous aurions vu une vraie augmentation de fonds pluriannuels, la possibilité de fonds pluriannuels sans cette pression et cette situation. Mais récemment, les organisations, les ONG ukrainiennes nous ont dit que ce qu'elles voulaient de notre part, avec l'organisation qui lutte pour le droit des femmes, nous ont dit très clairement ce qu'elles voulaient était exactement ce que nous avons dit, c'est-à-dire des fonds plus flexibles et des fonds distribués, planifiés sur plusieurs années. Et ça, c'est vraiment un focus important pour nous. Mais je crois qu'il n'est soit pas suffisant de parler de certains des solutions techniques pour le financement. Et donc, je parle de financement qui soit moins dirigé, des fonds pluriannuels. Ce sont des solutions techniques plus importantes que cela, et je crois que c'est ce à quoi vous avez tous fait référence. Et la question de partenariat de qualité, ce ne sont pas que les solutions techniques qu'il nous faut. Et pour cela, je crois qu'il s'agit de déplacer la balance de pouvoir et pas seulement d'avoir ces solutions techniques, mais d'avoir des solutions, des discussions collectives sur comment résoudre les problèmes avec nos partenaires locaux. Et je vais être sincère, c'est souvent là
qu'au sein de mes propres collègues, au sein de CARE, c'est là qu'il y a souvent le plus de résistance. La résistance au fait de déplacer le pouvoir quant aux décideurs, décideuses, quant à l'usation des ressources. Et donc, les fonds de qualité, fondamentalement, pour moi, ont à voir avec le changement du lieu de prise de décision et pas des solutions techniques. Et ceci, bien sûr, requiert que nous développions une relation avec les ONG locales basée sur la confiance, ancrée dans les pratiques locales, ancrée sur ce quoi les ONG veulent réellement se focaliser et pas ces solutions techniques uniquement. Et d'ailleurs, je pense que déplacer le pouvoir vers les ONG locales veut dire que les ONG qui refusent d'accepter des fonds qui soient trop complexes, qui requièrent trop de documentation, qui soient trop bureaucratiques, eh bien, ce qui refuse les exigences que très souvent nous imposons au plus des exigences des bailleurs de fonds devrait être applaudi et ne devrait pas être traité comme des parias. Il faudrait applaudir ces organisations puisque celles-ci nous montrent la voie à suivre. Et je crois qu'il soit vraiment important que ce dialogue ouvert existe. Et donc, certaines des choses que nous avons faites pour arriver à cela, et croyez-moi, ce sont des vieilles habitudes qui sont difficiles à changer. Mes efforts au quotidien ont à voir avec le fait d'essayer de changer ces manières de travailler. Et ceci ne peut avoir lieu du jour au lendemain, mais ceci requiert un effort déterminé et engagé, puisque fondamentalement, c'est là le sujet de notre travail. Rien sans nous, pour nous. C'est le slogan qui a accompagné ma vie et c'est là le monde auquel nous voulons contribuer. Et ceci requiert également, pour être très sincère, beaucoup de changements en interne au sein de CARE. Et dans un sondage récent, et donc ceci requiert également de sonder régulièrement nos partenaires, d'écouter régulièrement avoir un retour des partenaires. 70 partenaires nous ont dit que le changement qu'ils veulent était très différent des changements que le personnel de CARE voulait. Et par exemple, ils ont mis beaucoup plus en priorité dans le sondage. Ils disaient qu'il faudrait qu'il y ait plus de tolérance quant aux rapports financiers, les erreurs auxquelles notre staff était extrêmement attaché. Eux demandaient plus de tolérance, qu'il y ait plus de décisions quant à comment dépenser le fonds, plus de flexibilité que le staff de CARE était prêt à faire. Et nous avons besoin de ces feedbacks. Nous avons besoin d'écouter avec beaucoup d'attention leur retour. La langue compte également. Nous avons besoin de souligner probablement beaucoup d'organisations ONG internationales, appeler nos accords avec les partenaires, le fait des sous-boursiers, et ceci a à voir avec la manière de détenir le pouvoir. Et ça doit être plus une question de mutualité, de réciprocité. Et donc maintenant, nous avons des accords de fonds. Et ce ne sont pas des sous-allocataires ou des sous-boursiers. Et nous comprenons devraient être les composantes de ces accords. Et une autre chose qui compte énormément ici, ce sont des changements de comportement de la part de nos propres équipes et des réflexions profondes autour du pouvoir et du partenariat qui sont très très importants et très souvent ce sont nos équipes de programme qui travaillent sur ces questions et qui travaillent également au sein de ces dialogues et la réflexion et le changement au sein de ces dialogues. Et sans ces dialogues internes et sans nos partenaires et sans une écoute attentive, nous ne pourrons pas changer ces questions abysmales auxquelles le secteur reste confronté. Quelques mots envers les sceptiques. J'aime toujours inclure quelques paroles pour les sceptiques dans la plupart de mes prises de parole, parce qu'il y a toujours des personnes sceptiques. Et des personnes sceptiques qui disent oui, mais, et il y aura moins de mise à l'échelle, ce ne sera pas aussi rapide, ce ne sera pas aussi fiable. Et notre expérience de 24% à 55% prouve le contraire. C'est-à-dire que le plus
nous faisons la distribution de fonds qui ne soient pas spécifiques et qui soient pluriannuels, plus nous aurons de redevabilité mutuelle et de meilleurs résultats et un meilleur impact. Et donc, ceci ne peut être une excuse pour ne pas déplacer le pouvoir, déplacer les espaces de prise de décision. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous, bien sûr, ceci requiert une écoute humble, et pardonnez-nous également si votre expérience n'a pas été celle-ci. Eh bien, de grandes ONG internationales, nous verrons différentes équipes qui se comporteront de manière différente et devons nous assurer que nous sommes sur ce chemin. Mais le dernier mot sera adressé aux bailleurs de fonds, parce que les bailleurs de fonds doivent nous aider en permettant l'accès à des fonds non spécifiques ou peu spécifiques et pluriannuels. Et ceci est absolument essentiel, et de nous tenir, nous, redevables en tant que récepteurs de ces fonds, qui sommes souvent des intermédiaires et qui devraient voir les permettre la cascade de le déplacement de ces fonds. Et nous devons changer ces relations, parce qu'à moins que ceci ait lieu, eh bien la transformation profonde nécessaire du système ne sera pas possible. Et donc j'aimerais vous raconter un petit peu une histoire de ce qu'a été notre expérience, qui est bien plus que les résultats techniques. Il s'agit de partenariats, il s'agit de solutions, il s'agit d'une écoute attentive et de nous tenir responsables, et ce sentiment et la pression des donateurs de faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait jusqu'ici. Merci beaucoup. Cette transformation de CARE, c'est très important d'entendre donc de la part des ONG les leçons apprises alors qu'on avance dans le processus par rapport à ce qui peut être amélioré et les domaines dans lesquels nous excellons. Donc, c'est l'occasion de réaffirmer l'importance de la localisation, et j'aime beaucoup le slogan « Rien sur nous, sans nous ». Donc, je pense qu'on peut retenir cela. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous demander à vous, Ignacio, en tant que directeur exécutif d'un réseau mondial d'ONG, de nous donner donc votre point de vue sur le financement climatique mondial aujourd'hui. Quelles sont les tendances et quels sont les défis en matière de financement dans le secteur humanitaire? Et au vu de ces défis, comment est-ce que nous, les ONG, pouvons agir de façon collective? C'est un panel important. J'arrive en fin de panel. Ce n'est pas facile, hein. Alors, très bien. Je vais commencer. Lorsqu'on parle de financement, ce que tous les intervenants ont mentionné, tout d'abord, c'est l'espoir, la dignité. Et vous l'avez très bien fait, Taïba. Et donc, l'intention derrière les fonds est essentielle par rapport à comment nous opérons. Et ce que je souhaite soulever également, c'est par rapport à ce qu'a dit Sofia, je ne sais pas si je me réjouis du pourcentage sur la souplesse de financement, puisque où est-ce que ce financement va lorsqu'on parle de la transformation de paradigme? Nous devons réfléchir aux tendances, et la tendance, c'est que les fonds vont vers les organisations les plus grandes. Et donc, les donateurs, bien sûr, sont ravis parce qu'ils assurent une certaine flexibilité, mais les bénéficiaires ne suivent pas. Donc, c'est vrai que la situation est complexe. Alors, je vais essayer d'être très bref, parce que je sais que dans la salle, il y a un grand nombre de personnes qui sont ici à Genève et qui parleraient aussi éloquemment que Taïba par rapport à ce qu'il se passe lorsque elles n'ont pas ou lorsqu'on n'a pas ces petites sommes dans les organisations locales au bon moment et lorsqu'on n'a pas suffisamment de fonds. Donc il ne s'agit pas uniquement de signer des chèques importants, mais d'assurer la qualité des fonds. Bien sûr,
il y a suffisamment d'argent, mais il n'y a pas suffisamment d'argent qui arrive au bon moment, au bon endroit et de la bonne manière. Et je crois que cela résume ce qui a été dit. Ces trois éléments clés, et qui sont les éléments clés de cette conférence, bien sûr, aujourd'hui. Nous avons entendu Taïba, nous parlons de nos programmes, comment nous allons dépasser les financements, etc. Mais nous l'entendons directement de personnes sur le terrain. Les situations sont très difficiles et nous devons améliorer les systèmes en place pour mieux exploiter les ressources dont nous disposons. C'est urgent. Il y a vraiment une urgence, et c'est magnifique de tous être d'accord sur ce point, mais nous devons aller de l'avant et nous savons que le système est difficile à changer, n'est pas prêt à changer. Donc, comment agir? Quels sont les leviers que nous pouvons utiliser auprès de l'ONU, des ONG, des grandes ONG, des ONG locales, des ONG nationales pour pouvoir changer ceci? Les agences internationales, bien sûr, jouent un rôle important, mais ce ne sont pas elles qui peuvent tirer tous les leviers, puisque elles doivent agir en collaboration. Merci. Alors, il y a trois éléments qui ont été mentionnés, bien sûr, et il est un peu difficile. Nous travaillons sur trois questions. Donc la localisation, placer l'humain au centre de tout ce que nous faisons et bien sûr les solutions à long terme. Alors avec tous ces défis dont on a parlé, sur quoi devrions-nous nous concentrer, quand et comment? Ce n'est pas nouveau, bien sûr, mais nous devons faire mieux et mieux disposer de ce dont nous avons aujourd'hui. Nous devons mieux exploiter les fonds dont nous disposons. Nous devons travailler pour réduire la charge sur le système humanitaire et bien sûr trouver des nouvelles sources de financement. Au vu du temps, et bien sûr, du fait que certaines personnes ici vont vouloir intervenir, je souhaite me concentrer sur comment nous nous engageons. D'ailleurs, Costas, qui est ici de Intersource, en a parlé. Où est la plateforme? C'est quelque chose dont nous avons discuté au vu de la relation entre les experts du climat, du développement et de l'humanitaire. Et bien sûr, nous, en tant qu'humanitaire, comme vous l'avez dit, Martine, il s'agit de vider ces silos et de créer des connexions, de faire des ponts. Les problématiques augmentent, mais cela ne relève pas toujours de notre responsabilité, le secteur humanitaire. Il faut bien sûr s'assurer que les systèmes nationaux s'adaptent, contribuent avec des personnes pour éviter que les personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Et les actions que nous mettons en place sont des priorités, mais nous ne pouvons pas tout faire. Je souhaite revenir à ce qui nous unit et que nous sommes toutes des personnes très engagées dans le secteur, mais pourquoi est-ce que nous ne trouvons pas les clés pour ouvrir ces portes et contrer ces aspects négatifs? Il y a un sens d'urgence, nous devons agir à large échelle et beaucoup plus vite. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas fait justice, bien sûr, à cette discussion et à ce thème sans parler du grand compromis. Il y a beaucoup d'engagements qui ont été faits et nous luttons pour les mettre en œuvre. Hein. C'est un point essentiel, je ne veux pas l'oublier. Parce qu'il y a des collègues qui font
beaucoup d'efforts pour préparer leurs interventions. Tout le monde avait un texte, sauf Taïba. Je crois que c'est important de le noter. Et vous avez contribué de façon très claire et très passionnée. Merci. Merci Ignacio, merci. Et d'ailleurs, en soulignant certains des défis, nous réalisons que ce que tout le monde a dit est que nous avons besoin d'avancer vers la localisation, mettre l'être humain au centre des solutions à long terme. Donc, bien sûr, c'est le souhait de tout le monde sur le panel, mais ces points sont soulignés comme des défis. Bien sûr, nous devons réduire le fardeau sur le système humanitaire également et parler davantage de qualité, de quantité de fonds qui arrivent au moment opportun. Alors, vous avez également parlé des prochaines étapes et comment nous pouvons nous améliorer et faire mieux. Maintenant, nous allons ouvrir cette session et vous inviter à poser des questions. Peut-être qu'on va prendre quelques questions et ensuite on invitera le panel à répondre. Y a-t-il des questions? 1, 2, 3, 4. Les premières 4 mains levées. Nabil. Merci beaucoup. Je souhaite juste revenir à ce que Sophia a dit par rapport au fonds et à l'allocation de ceci. Je crois qu'il y a une bonne manière d'agir. Ce n'est pas une tendance, mais c'est quelque chose que je constate ces 5 dernières années. Et c'est une bonne opportunité pour les ONG. Cela leur permet de renforcer leurs capacités. Le donateur n'est pas obligé d'être informé de tous les détails, car au bout du jour, l'ONG sur le terrain sait beaucoup mieux les besoins. Et bien sûr, il y a l'industrie du développement. Il n'y a pas vraiment d'industrie d'action humanitaire, mais il y a quand même une industrie du développement. Et donc, je pense que cette industrie a besoin d'infrastructures et d'investissements. Merci. Nous avons une question ici derrière, en haut. Elle est interprétée directement depuis la salle et ne sera donc pas interprétée sur ce canal. Attention.
Le deuxième point, c'est par rapport au financement direct aux ONG nationales. The second point is related to direct funding to local NGOs. Tant qu'on ne compte, on n'enlève pas les stéréotypes que les ONG nationales ont manque de capacité, on ne va pas avancer. Unless we remove the stereotypes saying that local NGOs have no capacity, we are not going to make any progress. Et là, les agences et les organisations internationales ont du travail à faire par rapport à leurs équipes sur le terrain. And here I would like to call agencies and international organizations and say that they have, the teams have a lot to do in the field to improve that. Parce que beaucoup d'organisations internationales ne veulent pas allouer les overheads pour les organisations nationales. A lot of international NGOs do not want to give overheads to local organizations. Et en matière de rémunération, on a des barèmes qui sont là pour les ONG nationales. On ne peut pas atteindre un tel niveau de salaire pour des staff. And also there are limitations regarding staff income. We're having some ceilings and we cannot go higher than certain amounts. Et on sait que c'est les ONG nationales qui sont au devant de la scène quand il y a une crise. But we do know that local actors are those who are at the forefront when there are crises. Donc un peu de justice dans l'humanitaire est nécessaire. So I'm calling for more justice in humanitarian work. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much. Ah, nous avons une question ici devant. Une dame au deuxième rang. Merci beaucoup. Je suis Ruti Patel. Et je représente l'Alliance pour Empowering Partnerships, l'amélioration des partenariats. Merci beaucoup pour vos interventions passionnées et très inspirantes, surtout Taïba. C'est exactement ce dont nous avons besoin, des interventions qui viennent directement du cœur. Je souhaite apporter deux éléments. Nous avons beaucoup parlé du soutien des organisations, bien sûr. On en entend beaucoup parler. Mais la réalité, sur le plan local et des organisations féminines, c'est qu'elles continuent d'être exploitées. Maintenant, ces mêmes organisations qui sont engagées les approchent, mais ne proposent pas de partenariats équitables. Donc, ils lèvent des fonds au nom de ces ONG, mais ces ONG ne reçoivent pas les fonds de qualité et n'ont pas la possibilité de prendre les décisions par rapport à la programmation. Donc ça, c'est une exploitation, une des pires, je dirais. Ensuite, par rapport aux femmes qui s'expriment, qui ont le courage de le faire, je crois que Sophia, vous avez dit que certaines refusent les fonds, d'autres n'ont pas ce luxe, n'ont pas cette possibilité. Et lorsqu'elles s'expriment, il y a un retour de bâton. Comment pouvons-nous prévenir cela? Car ce sont ces femmes qui souffrent et il nous faut un mécanisme de protection pour prévenir ce genre d'action et leur permettre de dénoncer ces problématiques lorsqu'elles se déroulent. Nous devons vraiment prévenir ceci et soutenir les femmes qui se retrouvent dans ces situations. Merci. Merci. Encore une ou deux questions. Il est difficile de choisir. Alors, monsieur, encore une et ensuite nous passerons aux réponses. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Je voudrais vous demander si le problème lié au financement est un problème de bailleurs de fonds ou de récipiendaires. Lorsque j'en parle de qualité et de valeur, on parle du problème de bailleurs de fonds car certains décident des domaines d'allocation des fonds
que ce soit un problème de genre ou autre. Et ces bailleurs de fonds ne répondent pas aux problèmes fondamentaux dans certains domaines, mais souhaitent juste agir sur la forme plutôt que le fond pour avoir des résultats et pouvoir s'en vanter. Ou alors, est-ce que c'est le problème de récipiendaires qui n'utilisent pas les fonds à bon escient, qui ont une attitude négative et qui sont au sein des pays ou des communautés? Donc, d'où vient le problème? Alors, peut-être que cela vient des deux côtés, c'est plus facile de blâmer les deux aspects, mais quelle est la réponse, la meilleure réponse à cette question? Merci. Quelqu'un qui est tout derrière, s'il vous plaît. Voilà, madame. Bonjour, je suis Burka, je travaille avec CROCRA, qui est donc le Caritas de l'Irlande. Nous sommes une organisation partenaire, nous avons également signalé le grand compromis. Alors, nous agissons à travers des partenaires uniquement, et je voulais revenir à ce qu'a dit son Excellence Jürg Glauber par rapport aux coûts d'exploitation. Alors, nous avons nous partageons 50% avec les partenaires locaux. Nous allouons 5% au renforcement de capacité pour que les partenaires locaux aient une réserve qu'ils puissent utiliser selon leurs priorités pour renforcer la capacité institutionnelle. Et la recommandation ou la demande que je pourrais faire à la Suisse serait de partager ces bonnes pratiques avec leurs collègues, avec ses collègues, pour pouvoir faire avancer l'agenda de la localisation. Ensuite, M. Griffith, par rapport à ce que vous avez dit concernant le changement climatique et l'action humanitaire, alors qu'il est peut-être ce n'est pas le moment opportun pour un sommet humanitaire, mais nous avons la COP28 et bien sûr, nous devons faire partie de l'ordre du jour sur le plan humanitaire, surtout pour les pays impactés. Et nous devons créer des ponts entre le changement climatique et le domaine humanitaire, car ceci est essentiel, bien sûr. Merci. Je sais qu'il y a beaucoup de mains levées, mais nous allons inviter nos intervenants à répondre à ces questions. Peut-être, Monsieur l'ambassadeur, vous pouvez parler du changement des procédures avec les collègues, les donateurs et le renforcement de capacités. Monsieur Griffith, est-ce que vous pouvez parler du sommet mondial 2.0? Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai déjà dit, nous tentons d'échanger avec nos intermédiaires et nous tentons bien sûr de partager les coûts généraux et frais généraux. Nous suspendons l'interprétation car l'interprétation ne va pas vers l'anglais. Merci. En français sur scène. Nous échangeons avec nos collègues, bien sûr, et nous avons différents formats ici à Genève. Pour mettre ceci en place, nous avons les bailleurs de fonds, les experts. Je regarde ceux de ma mission qui sont juste ici, ma collègue d'ailleurs. Cela se passe effectivement, mais nous vous remercions pour cette recommandation. Et vous n'allez pas apprécier ma réponse, monsieur, mais c'est les deux, en fait, les bénéficiaires et les bailleurs de fonds. Je ne pense pas qu'il faut systématiquement avoir une approche double. Il faut percevoir ceci comme une communauté et avoir une approche plutôt globale et ne pas faire comme s'il y avait deux camps. Et donc, nous travaillons dans la collectivité, nous tentons de travailler ensemble vers l'amélioration. Nous avons entendu les idées des collègues et je pense que c'est cela, la voie pour l'avenir. Merci.
Merci beaucoup. Oui, concernant la COP, j'étais présent à la COP 27. C'était la première fois pour moi et j'ai été assez surpris par l'absence de la représentation humanitaire de manière générale et j'ai été choqué et d'ailleurs je me suis critiqué moi-même par rapport à cette lacune. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'organisations humanitaires du développement qui étaient présentes, mais il n'y avait pas une représentation, une défense collective de notre cause. Alors il y a une discussion au sein d'OCHA en ce moment et avec certains de nos partenaires par rapport à cette réflexion pour la COP 28 et le plaidoyer que nous pourrions faire. Je pense, mais je ne fais peut-être pas partie de la majorité, que ce qui est essentiel pour la communauté humanitaire à mettre en avant lors de la COP 28 ou de tout autre forum international, c'est l'impact sur les communautés en première ligne. Nous ne devons pas commencer notre approche basée sur l'argent, c'est-à-dire d'accéder à des fonds pour le climat, ce qui d'ailleurs n'est pas très difficile, mais plutôt de témoigner de nos observations, comme ce que nous avons entendu par rapport au Mali, de l'impact de la sécheresse continue sur les communautés en première ligne. C'est cela qu'il faut apporter au débat climatique. Et à partir de là, nous pouvons développer, construire, et je crois que la COP 28 sera justement l'occasion de réfléchir à comment les promesses et les engagements des gouvernements du monde peuvent être mis en œuvre de façon tangible, pratique, pour ces communautés. Et là, nous avons un rôle à jouer. Mais ce n'est pas l'occasion pour nous d'obtenir plus de fonds, mais plutôt de parler de notre responsabilité fondamentale, qui est d'aider ces communautés en première ligne. Donc, de refléter la réalité à toutes les personnes présentes à la COP 28 et bien sûr au-delà. Et donc là, il faut réfléchir à nos priorités. Merci. Donc, par rapport à la première question que vous aviez sur la réflexion du développement, il y en a une autre. Malheureusement, l'oratrice n'utilise pas de micro, l'interprétation n'est donc pas possible. Je vais donner la parole à Sophia pour qu'elle réponde à cette question. Merci pour ces questions, tout à fait, et ces réflexions. Il s'agit effectivement d'éviter ce genre d'exploitation que vous avez mentionné. Et lorsque les ONG s'expriment et dénoncent justement ces problèmes et dénoncent les règles absurdes qui leur sont imposées, et qu'ils sont plus lourdes, vont au-delà de celles imposées par les donateurs. Et les accords sont... C'est effectivement précisément ces retours dont nous avons besoin. Il faut donc écouter ces retours, parce que si ces ONG sont traitées comme des parias, eh bien, ça, c'est quelque chose qu'il faut réellement dénoncer. Il s'agit de la passion que vous avez dénoncée, de la valeur, de retrouver la passion afin que nous puissions réfléchir basé sur cette passion, sur la base de cette passion. Et je crois qu'il s'agit vraiment, les ONG internationales sont plus souvent des intermédiaires. Non, eh bien, c'est un problème. Nous ne sommes pas des intermédiaires, nous devons être des partenaires. Et il s'agit des ONG. Et c'est pourquoi les nouveaux concepts tels que la collaboration, les risques de... la conformité collaborative, et pas juste la conformité, et des sources et des transferts, des intermédiaires de ressources, c'est pourquoi je reviens au partenariat comme un mot-clé et pas seulement vers ces solutions techniques. Je ne suis pas une fan, nombreux d'entre vous m'ont entendu dire du mot localisation,
parce que ceci suggère qu'il s'agit de localiser ce que les organisations ONG internationales et les agences onusiennes ont fait. Cela suggère que d'autres feraient la même chose que ce que nous avons fait traditionnellement, et c'est absolument faux. Et c'est pourquoi je préfère le concept de mener localement. Il ne s'agit de localiser, il ne s'agit pas de localiser ce que la communauté internationale a fait, mais de changer le lieu de prise de décision. Et les personnes d'Afghanistan, tout sans nous, sauf nous, et j'aimerais que ce soit mon slogan, c'est un slogan féministe du mouvement féministe. Et il s'agit que tout soit mené localement et connecté localement. Et cette solidarité internationale est essentielle pour avoir du succès. Mais l'objectif est la justice. Il s'agit de réponses humanitaires menées par les acteurs locaux, les actrices locales. Et il s'agit de partage de risques, de trouver des solutions ensemble. Et voici les points que j'aimerais soutenir. Et nous parlerions de partenariat. Mais oui, il y a eu un point très important qui a été soulevé quant au soutien des organisations menées par des femmes. Eh bien, pour moi, je crois que quand il y a 6-7 organisations menées par des femmes avec lesquelles je suis en contact, eh bien, très souvent, très vite, nous entendrons une grande vague de nouvelles comme quoi des fonds sont disponibles pour les femmes. Et donc, essayons toutes de demander ces fonds. Et tout à coup, cet argent disparaît. Et les personnes me disent « Ah, je me sens coupable, peut-être que… » Et donc déjà de se remplir les formulaires, et il y a des langages qui sont mal compris, et il y a du langage que je ne trouve pas. À chaque fois que je remplis les formulaires, je dois aller dans Google Traduction des dictionnaires, et la plupart de ces mots ne sont même pas disponibles pour être traduits afin de les comprendre. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui traite de la vulnérabilité des communautés. Et déjà, cette barrière de la langue est déjà un vrai problème. Et les donateurs ne sont pas là, mais la limite de date est dans 2 jours. Et moi, je voudrais partager des expériences très personnelles. Je me sens coupable. Je suis sûre que j'ai fait des choses inadéquates. Les personnes se sentent coupables de ne pas avoir réussi. Et les personnes reçoivent des mails pour savoir s'ils l'ont eu ou pas. Et les gens m'appellent, ils me disent « Taïba, est-ce que tu as reçu cette bourse ? Toi, au moins, tu aurais dû la recevoir. » Non, moi non plus. Et donc, voilà comment, je ne sais pas où va cet argent. Ces fonds finissent par disparaître. Alors, il y a beaucoup de nouvelles, mais tout à coup, il faut remplir la date limite pour fournir les candidatures. Et dans 2 jours, mais il y a plus de 40 pages. Mais c'est pas grave, peut travailler pendant la nuit, mais le vocabulaire ne nous est pas accessible. Les explications qui sont données, le langage qui est impliqué dans ces formulaires. Mais la question est, nous ne voulons pas que les formulaires soient faciles, parce que je serais tellement fière que nous puissions développer nos capacités et nous adapter. Mais c'est quelque chose que vous mentionnez. Comment pouvons-nous développer nos capacités? Nous ne voulons pas la pitié. Oh, les petites femmes, on va les soutenir à faire des choses simples dans la commune. Non, nous ne voulons pas la pitié. Nous voulons être fiers. Nous voulons des formations. Nous voulons des ateliers de formation. Nous voulons nous familiariser avec ce vocabulaire. Nous voulons apprendre à remplir ces formulaires. Et certaines de ces exigences ne sont pas non plus possibles. Par exemple, il y a 3 ans, j'ai été rejetée par un donateur. Et une fois, j'ai eu des notes très, très basses et il y a eu un appel et il fallait avoir une charte politique. Et j'ai dit, mais nous n'avons pas de charte politique. Alors, nous n'avons pas de parc et je n'ai pas de... nos points ont baissé parce que nous n'avions pas de charte. Ah, on n'a pas de fonds parce qu'on n'avait pas l'argent. Alors, donnez-moi l'argent, j'achèterai une voiture et ensuite, je pourrai répondre à vos objectifs. Mais vous ne pouvez pas m'enlever des points parce que je n'ai pas de véhicule. Merci beaucoup, Taïba. Je crois que maintenant, nous allons revenir à Ignacio vers cette question, vers les fonds et les problèmes avec les donateurs et les récipiendaires. Et nous pourrions répondre à ceci. Et nous avons parlé de fonds directs vers les ONG locales et de pouvoir halter
les capacités, augmenter les capacités des ONG locales. Et oui, nous avons un problème des problèmes. Et en général, ce que nous faisons, et nous pointons le doigt vers les autres et nous ciblons les autres personnes, nous disons un tel ou une telle a besoin de faire un changement. Mais en tant qu'ONG, nous devrions regarder également ce que nous pouvons changer, comment nous devons changer la manière dont nous fonctionnons. Et j'aime beaucoup des perspectives claires, des perspectives, des manières de répondre directement à certaines des problématiques financières en étant impliqués directement en partenariat avec des organisations locales. Nous avons besoin de plus de cela. Nous savons également que toutes les discussions autour des intermédiaires ne sont pas celles qui reçoivent le plus d'enthousiasme avec de la part des partenaires, mais certainement, c'est là où nous, en tant que ONG, nous avons beaucoup de travail à faire. Et donc, l'autre problème que j'aimerais soulever, je voudrais en parler avec une autre dimension, puisque nous sommes ici à Genève, et Jean-Jacques Rousseau est un fils de Genève. Jean-Jacques Rousseau a révolutionné la réflexion politique. Il a parlé de contraintes politiques, sociales différentes. C'est à un autre niveau et nous devons penser à comment nous, en tant que société, comme société, la manière dont nous fonctionnons et quel autre contrat professionnel social nous avons besoin. La pandémie nous a vraiment donné de l'espoir, notre capacité de changer notre système pouvait changer, particulièrement sur les questions autour de la localisation. Mais ce n'est pas vrai, ça n'a pas changé. Le conflit en Ukraine va pouvoir également nous soutenir ces changements, mais ce n'est pas le cas. Et de quoi avons-nous réellement besoin pour revigorer ces éléments de solidarité que nous voyons à des moments importants, à différents moments, dans différents lieux, afin d'avoir un différent contrat social nous permettant d'être une situation meilleure et de dire il ne s'agit pas de nous et eux, il s'agit de nous et il n'y a nulle part dans la planète ou un endroit où l'on peut se cacher. Nous sommes tous ensemble. Merci, merci beaucoup. Et j'ai désolé, je dois vous annoncer que le temps imparti est conclu et c'est une formidable discussion qui ne devrait pas se terminer. Nous aurions étendu toute notre appréciation à tous les panélistes, à nos invités, d'avoir pris du temps sur leur programme tellement chargé pour être avec nous aujourd'hui et de partager leurs perspectives, leurs expériences. Et j'aimerais avoir un mot de clôture maintenant, alors que nous concluons. Il serait bon d'avoir des dernières réflexions de la part des panélistes. Alors allez-y, commencez avec cela. J'aimerais qu'une chose soit complètement claire. Je ne suis jamais, 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 je n'irai sur un prochain panel avec notre Taïba, une fois de plus. Ce n'est pas possible. Merci, Taïba. Vous êtes formidable. Merci beaucoup. Merci, Taïba. J'aurai l'honneur à Bruxelles. Je crois que lundi, nous sommes sur le même panel à Bruxelles. Et donc, je vais devoir me préparer en amont. Merci infiniment. Ça a été formidable, une grande source d'inspiration. Nous apprenons, nous écoutons. Et pardonnez-nous pour toutes les fois où nous ne sommes pas suffisamment efficaces, mais c'est un voyage d'apprentissage, c'est un formidable espace de réflexion et dont nous vous remercions. Merci. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Au début, Martine a mentionné les nexus entre, je ne me souviens plus des mots exacts, mais entre les partenariats et il s'agit de relations. Et je crois que les relations sont vraiment essentielles de pouvoir réunir les personnes, pas seulement virtuellement, mais physiquement. Merci infiniment d'avoir voyagé jusqu'ici, puisque je crois que nous avons aujourd'hui réussi à créer ce lien. Merci pour cette opportunité de partager avec vous la réalité de ce qui nous arrive. Très souvent, nous sommes dans ces réunions, dans des réunions de donateurs et l'écran n'est même pas suffisant pour montrer tous les zéros disponibles pour l'argent disponible pour le monde entier et combien d'argent va en Afghanistan. Et mais voilà, de savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain pour donner de l'espoir à ces communautés, ça c'est la question à laquelle j'aimerais que nous apportions réponse. Merci infiniment.
eh bien, d'être prêt pour ce qui arrive en termes de besoins humanitaires. Vanessa requiert de l'humilité, mais également beaucoup d'ambition. Et nous devons travailler ensemble pour avancer. Merci, merci beaucoup. Et une fois de plus, des applaudissements pour les panélistes. Merci. Donc, alors que nous concluons avec quelques dernières phrases de conclusion, nous espérons qu'en tant que collectif, tout d'abord, souvenons-nous que nous travaillons ensemble en tant que collectif et nous continuons de travailler pour répondre aux lacunes en termes de fonds humanitaires, pour améliorer les besoins, des solutions innovantes et d'améliorer l'efficacité de l'aide humanitaire par l'harmonisation des conditions de fonds. Il est crucial de nous rappeler que nous devons continuer à renforcer l'implication des acteurs nationaux et locaux, comme ça a été mentionné aujourd'hui. Et cette conversation est une conversation qui doit continuer. Et il y a eu énormément de questions aujourd'hui. Mais nous avons une pause café de 30 minutes en haut de l'escalier et il y aura des personnes pour vous y guider et j'espère que nous pourrons continuer ces conversations pendant cette pause ensemble et continuer à faire ce travail de réseautage. C'est un vrai honneur d'être ici avec vous et merci infiniment à tous nos panélistes. Merci. Thank you.